des personnes un peu handicapées qui se promènent. On voit les sportifs, l'OL, qui fait des fois le tour. Hein. Les cyclistes. Voilà, les cyclistes, les marcheurs, tout ça, oui. Puis de temps en temps, il y a des forums d'associations aussi qui se déroulent ici, hein, sur les prairies. Soit la grande prairie, soit la petite prairie qui est derrière. Il y a des forums associatifs aussi. Hein. Il y a des fêtes aussi. On a même vu aussi, on a même vu les sambas là, d'un groupe folklorique aussi une année. Donc ce qui est sympa ici, c'est tous les aménagements des jeux d'eau, en fait, avec tous les bruissements là, parce qu'il y a plein de petits arbustes partout. Je trouve ça très sympa. Mais c'est vrai que c'est très différent du parc de la tête d'or. Donc la promenade de l'Ongeron, là, c'est très agréable. C'est plus bruyant encore que le parc de la tête d'or. Ce qui est surprenant, c'est que, je ne sais pas si ça dure encore, mais c'était tellement calme qu'ils avaient mis un peu des sons le long du commissariat de police. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Des installations sonores. Oui, oui. Des gazouillis d'oiseaux, non? C'est plutôt des installations artistiques. Non. C'est comme une espèce de cône, comme sur les bateaux d'aération. Et vous avez de la musique qui sortait ici. C'est un peu excentré quand même, il faut reconnaître. Même à pied, pour venir du 7e, de Jean Massé, les personnes âgées ont difficulté un peu pour venir ici. C'est un peu excentré, c'est dommage. Il faut venir en vélo. Ah bah oui, non mais tout le monde n'a pas de vélo. Et... Du placement de marchandises et de personnes aussi, tourisme. Marchandises, tourisme, loisirs. Mais si vous croyez qu'il faut toujours que les gens soient animés, vous ne croyez pas qu'il faut avoir des endroits où on vous foute la paix? Oui, mais c'est laissé au bon vouloir. Tout le monde n'est pas obligé de... Moi, je suis enchanté de trouver des coins déserts dans la ville. Tranquille. Et notamment à 8h du matin, le parc de la Tête d'Or, c'est parfait. Ouais. C'est même 7h. Ouais. Sur un petit peu la conception qu'on peut avoir du parc, alors pour ce qui me concerne, oui. Moi c'était un peu évoqué, c'est un grand parc de jeux et puis un endroit où il y a toujours des découvertes constantes. Oui. Et puis un autre aspect qui est de pouvoir... pendant quelques années, sans pouvoir partir en vacances, mais c'était un petit peu un lieu où on peut profiter de la nature, se ressourcer, et en plus, qui est gratuit, parce que sur beaucoup d'endroits, si on peut aller dans les musées ou dans d'autres endroits, même à la piscine, c'est... Il y a des spécialistes ici qui pourraient vous parler des typologies des jardins. Moi, là, pour ici, ce sont surtout des espaces qui étaient inoccupés, où là, il y a eu un jardin artistique qui a été créé par une galerie locale, ou des espaces des dents creuses, où les gens ont mis de la vie, un peu de culture, mais la culture n'est pas, pour l'instant, vivrière. Peut-être que demain, on pourra en ville cultiver notre nourriture. On en parle de plus en plus. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une réunion hier soir sur cette idée que demain, dans nos villes, on pourra peut-être se nourrir. Jardin ouvrier, c'est une parcelle individuelle. C'est une famille qui cultive sa parcelle. Oui. Jardin partagé, c'est un terrain qui est cultivé collectivement par plusieurs familles. C'est dans le Nord, hein, dans l'ancienne. Mais c'était économique, hein, essentiellement. Hum. Pour permettre aux gens d'avoir des légumes pas chers. Mais à Lyon, il y en a toujours eu aussi. Hein. À Lyon aussi. Il y en a plein dans le 8e aussi. C'est une invention d'un prêtre de Stéphanois, s'appelait Volpette, qui a dû inventer ça dans les années 1850. Ouais, après. Ou 1890. C'était pour extirper les mineurs des bistrots, pour les inciter à être plus vertueux et avoir une activité saine à la sortir de la mine. Sur le pied d'arbre. Champignons. Amendement naturel. Des crottes de chien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette rue? Derrière nous, derrière. Oh, des pigeons. Voilà. Donc on a le couple favori des urbains, crottes de chien et crottes de pigeons. Alors fiente de pigeons. Et poubelle aussi. Ça vous évoque quoi? Une nuisance urbaine. Pas d'autre? De l'engrais. Une nuisance. Hein? De l'engrais? De l'engrais, c'est ça? Qui utilise des crottes de chien comme engrais? Je projette. C'est à l'étude. C'est à l'étude. Je sais.